Je vais vous présenter aujourd'hui les principales fonctionnalités de l'excellente application de montage sur iPad Pinnacle Studio. La première fois que vous lancerez cette application, vous verrez cet écran création de la bibliothèque de médias. Le logiciel va classer les différents médias présents sur votre tablette pour faciliter le montage. Sur cet écran d'accueil, notez la petite roue dentée ici qui permet de régler certains éléments standards du logiciel. Pour créer un montage, on commence par créer un projet. En tapant sur cette petite croix, en donnant un nom au projet, ce qui permet d'accéder au module de montage, avec ici une fenêtre où apparaissent les médias. Ici, nous avons d'abord les vidéos. En cliquant sur cette icône, on passe aux images fixes, les photographies. En descendant ensuite, on arrive aux musiques, aux éléments sonores. Nous passons ensuite aux transitions. Ici, quelques éléments de titrage. Et là, un très bon module de titrage que nous utiliserons par la suite. Pour monter un élément vidéo, on le sélectionne ici dans cette fenêtre de la bibliothèque média. On peut le voir ici dans le visualiseur. On définit un point d'entrée et un point de sortie, un point in et un point out, en déplaçant ces petites flèches jaunes. Celle de gauche pour le point in, celle de droite pour le point out. Et une fois qu'on est satisfait du placement du point in et du point out, on appuie avec le doigt ou un stylet sur l'image. Et on descend cette image dans le storyboard. Tous les plans qui vont être montés auront la même dimension dans le storyboard. En revanche, ici, ils auront une dimension relative dans la timeline. Notez que comme cet élément a du son, on voit une petite onde sonore au milieu de son image. Vous pouvez encore modifier les points in et points out grâce à ces petites poignées. Regardez. Et automatiquement, le logiciel vous montrera le point où vous vous trouvez ici dans le visualiseur. Vous pouvez modifier donc aussi bien le point in que le point out. Notez que dans le timeline, vous avez un petit trait jaune ici, c'est la tête de lecture. Tout ce qui passe sous la tête de lecture va être représenté ici. Et vous pouvez aussi, en sélectionnant la timeline avec cette petite icône, visualiser votre montage jusqu'à présent. Montons maintenant un deuxième plan. On le sélectionne, on définit un point in et un point out, on maintient appuyé, on descend dans le storyboard, et nos deux plans sont montés. On met ici un petit peu avant sur la tête de lecture, on fait lecture pour voir comment s'enchaînent les deux plans, voilà. Si vous voulez mettre une transition entre deux plans, rien de plus simple, vous sélectionnez l'élément transition ici, vous avez par exemple le fondu enchaîné. Vous prenez le fondu enchaîné, et vous le descendez ici, dans le storyboard. On va regarder comment passe ce fondu enchaîné. Voilà, impeccable. Vous pouvez modifier également la durée du fondu enchaîné grâce aux petites poignées qui se trouvent en bas dans la timeline. On visualise en allongeant ce fondu enchaîné. Voilà. Si vous voulez intégrer une image fixe à un montage, il suffit simplement de sélectionner la bibliothèque d'images fixes, de cliquer une fois sur cette image, et elle apparaîtra ici. On descend l'image dans le storyboard, et cette image est ajoutée simplement au montage. Alors, vous remarquez que cette image est placée d'emblée de façon à ce que sa hauteur soit préservée, c'est-à-dire qu'on voit toute la hauteur de l'image, mais il peut être intéressant parfois d'adapter de manière différente cette image. Plusieurs possibilités sont offertes. La première, c'est de double-cliquer sur l'élément image dans la timeline, et vous voyez, vous avez trois possibilités d'adaptation, soit à la hauteur, c'est ce qui a été fait automatiquement par le logiciel, soit à la largeur, regardez ce qui se passe, on va avoir la photo qui sera redimensionnée, mais il y a une partie en haut et en bas qui vont disparaître, soit hauteur et largeur vont être adaptées, là bien évidemment, l'image sera déformée. On clique sur « Effectuer ». Maintenant, avec les images fixes, on a aussi la possibilité, une fois qu'on les a sélectionnées dans la timeline ou le storyboard, de cliquer ici sur « Regarder panoramique et zoom ». Ce qui nous permet en fait de faire des animations d'images, comme très souvent dans les montages documentaires. On définit une position de départ en cliquant sur « Position de départ ». On va mettre par exemple l'image par ici. Et une position d'arrivée. Alors notez que vous pouvez très bien modifier la dimension de l'image en utilisant le zoom à deux doigts.
Voilà. Et nous nous retrouvons maintenant, on va le passer, regardez, en passant sous la tête de lecture, on va avoir cet effet avec une image. Ce qui peut permettre de faire de très bons montages avec de simples photographies. Alors, notez bien qu'ici, il y a une petite inscription qui n'est pas très visible, c'est « rendu requis pour un aperçu précis et fluide ». Certains effets demandent que des calculs soient réalisés. Alors, on clique sur cette petite icône avec deux roues dentées, et le logiciel va rendre cet élément afin qu'il puisse être lu le mieux possible. Notez que vous pouvez modifier l'ordre de vos plans, ici, dans le storyboard, ce qui peut vous permettre de faire toutes sortes d'essais de montage. Si on veut ajouter une musique, on sélectionne la bibliothèque musicale, on sélectionne un morceau, on maintient appuyé, et on descend, vous le descendez ici, juste en dessous de la timeline, dans les éléments musicaux. On va même le descendre d'un cran, vous verrez pourquoi. Et maintenant, on peut lire. La musique est là, elle est un peu faible, mais là. Alors, si vous voulez monter le volume de la musique, vous double-cliquez sur cet élément et vous allez pouvoir augmenter le volume. Vous pouvez prévoir un fondu d'entrée, c'est-à-dire une entrée progressive, une sortie progressive de votre morceau ici aussi. On clique sur Effectuer, on repasse en lecture. Voilà, qui est mieux. Bien évidemment, quand vous avez des éléments sonores sur une vidéo, il suffit de double-cliquer une fois dessus, vous aurez la possibilité de modifier le volume. Là, je trouvais que le bruit des voitures était un peu élevé, je vais descendre le volume et modifier aussi un fondu d'entrée, un fondu de sortie. Imaginons que vous vouliez faire un titre maintenant. En cliquant sur le module de titrage, vous avez ici des titres animés. Vous cliquez une fois et vous verrez votre titre, le type d'animation qui vous est proposé. Là, il s'agit simplement d'un fondu enchaîné automatique. Là, un effet un peu plus complexe. Nous allons faire un titrage simple pour cet élément que nous allons appeler « test ». Prenez le titrage. Vous le descendez simplement dans le storyboard. Vous voyez, il est indiqué votre texte ici. Double-cliquez dessus. On met « Test ». On peut définir une police différente en cliquant ici. Je prends une police assez massive, Gamerkin. On va modifier la taille. Mais vous allez voir, on peut le faire aussi très simplement. Avec deux doigts, vous pouvez grandir la taille de votre élément. Notez que si vous trouvez que l'écran est un peu petit, vous passez ici grâce à cette icône en plein écran et vous avez la possibilité de modifier considérablement les éléments de titraille. Alors très souvent, les titrailles demandent un rendu, comme vous voyez ici, donc on clique sur l'icône des deux roues dentées. Et une fois que vous aurez terminé votre montage, il vous suffira d'appuyer ici sur cette petite flèche pour choisir ce que vous allez en faire. Par exemple, pour un rendu, pour en faire un fichier vidéo, vous choisirez la définition de votre fichier vidéo en sortie et vous laisserez le logiciel réaliser tout de suite les opérations de rendu. Merci de votre attention, à bientôt.